la jalousie. Ya ya lo mucho la sin le cote y bolo la bona. Itara dem. Yida mo monuda no deu. Kuitara dem bolo. Ijo yida mo monuda no deu. Na bi lamfa o monui kamira ma bona fa. Maderi wola. Fila me.
bonsoir à tous nos auditeurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, bienvenue encore et surtout bon début de semaine à tous nos auditeurs qui nous écoutent, ceux qui sont encore en direct et ceux qui vont nous prendre un peu plus tard, ou ceux qui n'ont pas l'occasion de nous écouter ce soir pour une cause bien précise. Vous êtes bel et bien à Radio Samatrila, une radio qui est aujourd'hui est une voie de communication, une croix de transmission entre vous et nous, une radio aujourd'hui qui nous grandit, une radio aujourd'hui qui nous conseille. La semaine dernière, nous allons faire un petit briefing, un bilan aujourd'hui. Et nous avons eu l'invité spécial qui était l'imam Konaté de la mosquée de la 116 qui était avec nous. Et notre débat portait autour de la raison de la fermeture de cette mosquée de la communauté africaine à la 116 Manhattan à Harlem. Et le problème aujourd'hui est demeure que nous nous donnons la main et surtout que nous trouvons une solution pour encore éviter ce genre de problème. Nous avons tous été suffoqués et nous avons tous été étonnés. Comme on l'a dit, nous avons été abasourdis, nous avons été découragés. Autant des qualificatifs en apprenant la fermeture de notre lieu de culte qui est la mosquée de la 116 à Manhattan. Et encore, étant des religieux et des 10 représentants de notre Seigneur Allah, et comme Dieu l'a toujours dit, autour de notre Seigneur, il y a toujours quelque chose qu'on appelle vérité. Donc, cette vérité doit être l'habit de tout musulman pendant son quotidien. Allah nous a donné la chance d'avoir des personnes pour venir nous éclaircir sur ces différentes affaires. Et ces affaires qui font beaucoup de bruit de lulugre, pour ne pas dire de bruit dans le noir. Qu'en est-il réellement? La semaine dernière, nous avons eu comme invité l'imam Konaté qui est venu nous entretenir sur ce sujet. Nous l'aurons peut-être aujourd'hui juste pour une information. Autant nous avons un thème de débat aussi à développer, que tout un chacun aura l'occasion d'y avancer aujourd'hui. Je vous présente le thème des débats du jour en tant que tel. Que peut-on retenir comme leçon en tant que conseil après la fermeture? Comment éviter d'éventuels problèmes, c'est-à-dire dans le futur ou dans l'avenir? Merci, bienvenue à Radio Sabatila. Il est très simple pour participer à notre débat. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'y participer, vous faites étoile 6-1, ou bien en anglais, star 6-1, étoile 61 ou star 61 pour participer, pour vous donner votre avis. Et nous avons une tradition à cette radio, c'est que notre devise, c'est le respect dans le langage et la loyauté dans le langage. Bien vrai que nous sommes dans la liberté d'expression, mais le respect couronne beaucoup ici, c'est ce qui nous permet de nous grandir, de nous pardonner et d'y avancer à petits pas. Merci encore pour votre fidélité. Nous sommes déjà dans le débat. Le débat, il est presque ouvert, comme on le dit dans notre jargon. Et nous pouvons partir avec nos différents invités. Pour ceux qui désirent participer à nos différentes émissions, nous avons prévu prendre l'imam, Inch'Allah, aux environs de 23h30, ne serait-ce que dans une minute. L'imam est déjà en ligne. Il a une nouvelle très importante à annoncer à sa communauté. Il a désiré lui-même venir en personne pour annoncer cette nouvelle. Vous êtes déjà très nombreux en ligne. Donc, dans quelques secondes, nous allons prendre l'imam, Inch'Allah, pour respecter encore le temps. Dans quelques secondes, nous repartons juste après une petite pause musicale. Et dans quelques 30 secondes, nous irons prendre l'imam juste qui est là pour vous annoncer cette nouvelle-là. Il s'agit bien de l'imam Konaté. Nous allons le prendre dans quelques secondes, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ah,
Assalamu alaikum, pour respecter le temps, quand il est le temps est d'or déjà, nous allons directement partir avec l'imam et nous allons ouvrir son micro. Assalamu alaikum, imam Konaté. Assalamu alaikum. Allô? Oui, assalamu alaikum, c'est l'imam? Non, c'est pas l'imam. Ah, ok. Donc, je suis juste un petit peu trompé. Donc, j'ai déjà un auditeur en ligne. Il s'agit d'un auditeur. Il a vraisemblablement, c'est notre modérateur Yul. Donc, nous allons vous donner le bonsoir. Et vous avez juste un peu une fusion avec le numéro de l'imam. Mais j'espère qu'il sera avec nous dans quelques instants. Comment vas-tu, Yul? Ça fait 2 jours, là. Ah, alhamdoulilah, ça va. Dites bonsoir, auditeur, auditrice. Okay. Ça fait trois mois d'absence, donc vraiment, je m'excuse auprès du service technique. Oui. Je m'excuse auprès des grands frères, bon, c'est par rapport au programme du boulot, quoi. Ah, ok, ok. Et aussi, après le débat dans la rue par rapport à la mosquée, tout et tout. Mm-hmm. Donc, j'avais des questions à poser, et puis bon, j'essaie de savoir un peu plus, quoi, là-dessus. Bon, malheureusement, je pense que l'imam ne viendra pas pour des différentes questions. Il vient d'entrer juste en ligne. Il m'a dit, bon, nous avons eu un temps long en large. Bon, vous aurez des avis aujourd'hui. Il aura d'autres débats. Comme il me l'a dit tout à l'heure, il viendra juste pour vous annoncer cette bonne nouvelle-là. Il est pas déjà en ligne. Donc, l'imam peut, nous allons tendre le micro à l'imam dans quelques instants, Yul, et nous allons revenir à vous pour notre petit débat et nous allons partager certaines idées ensemble, Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, merci bien. Ok, à tout à l'heure. Donc, le temps que l'imam fasse ne vienne en ligne, qu'on ouvre son micro, l'imam, donc, il est déjà en ligne, nous allons directement partir avec l'imam Konaté. Assalamu alaikum, imam. Oui. Assalamu alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, frère Sabani. Oui, comment va la famille, imam? Oh, ça va très bien, ça va très très bien. Moralement, tout le monde est bien situé, Inch'Allah. Ah, Dieu merci, alors c'est ce qu'on souhaite pour toute notre communauté, Inch'Allah. Oui, oui. Ok, donc sans plus tarder, on sent que vous êtes fatigué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de fidèles qui vous écoutent et vous entendent depuis un certain moment. Donc nous allons vous laisser la parole pour cette nouvelle que vous avez annoncée. Oui. Il n'y a pas de problème, tout simplement, je voulais remercier les auditeurs de la radio ce matin-là pour leur bien, pour leur compréhension, parce que c'est ça même la communication. Et Dieu merci, comme je l'ai dit à l'autre jour, tout le monde est déchargé, Dieu merci. Mais néanmoins, comme il y avait... Je pense que c'est le frère Yaya Diaby qui avait posé une question concernant le deuxième plan, parce que ce qu'on avait entamé comme un plan concernant le futur de la communauté, par exemple. Mm-hmm. Et Dieu merci par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et nos voisins de la 116 et la 7e avenue, je veux dire... de First Corinthian Baptist Church, la grande église qui est là-bas, et ils ont le building tout entier. Mm-hmm. Alors, après l'intervention à la radio somatique-là, et puis après le reportage de Daily News, ils nous ont fait appel qu'ils ont un espace là-bas qu'ils n'utilisent pas, que désormais la communauté peut... prendre ça comme chose juste temporairement pour les prières du vendredi, Inch'Allah. Donc, le vendredi prochain, nous allons commencer là-bas, Inch'Allah, comme le plan B, parce que le plan B, nous sommes toujours dans les démarches. Et ça, c'est d'abord un bon résultat, parce que tant qu'il n'y a pas un résultat positif, on ne peut pas partager ça avec les auditeurs ou les membres de la communauté. Ouais. Mais pour le moment, mes frères chrétiens nous ont donné une place, alors bien grand, Inch'Allah, nous allons commencer la prière du Jumu'ah là-bas à partir de vendredi prochain. Donc tout le monde est invité, l'adresse c'est 1912, voilà, 7e avenue entre 115 et 116, la grande église qui sert...
qui sert à manger aux gens toujours là. Donc les gens forment le rang toujours devant. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Donc tout le monde a évité. Ne dites pas que ouais, c'est une église. Hein. Le prophète l'a fait. Alors il faut qu'on se donne la main parce que la communauté, on ne peut pas être dispersé comme ça. Il faut d'abord un coin de retrouvailles, même si c'est une fois dans la semaine, pour que on garde les contacts, l'amour et l'harmonie, inch'Allah. Donc, c'était pour partager cette bonne nouvelle avec les membres de la communauté, inch'Allah. Et donc, je remercie tout le monde pour leur confiance et puis je remercie tout le monde pour les bénédictions. Et que Dieu nous donne longue vie et qu'il nous protège. Et qu'il protège aussi la radio Samatina et le responsable de cette radio, inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, Imam. Merci vraiment pour cette nouvelle. Nous avons l'adresse. Nous allons passer à peu près chaque 30 minutes pour informer notre communauté. Inch'Allah. Donc, merci de votre présence, Imam. Nous n'allons pas, comme prévu, vous retenir pendant tout le temps. Que Dieu nous garde ensemble et que la communication soit au moins le socle de la paix pour toute notre communauté. Amin. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc, c'était l'intervention de notre imam. Donc, vous avez tous saisi cette bonne nouvelle que l'imam Konatir est venu partager avec nous. Nous sommes déjà dans le vif. Déjà, dès notre débat, nous allons tous partir, Inch'Allah, tout à l'heure, en musique. Et juste après, nous allons vous retrouver pour entamer notre débat du jour, pour nous donner encore des idées. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout à l'heure. Nous allons revenir sur notre thème de débat du jour. Que peut-on retenir comme conseil ou leçon après la fermeture de la mosquée de la 116? Comment éviter d'éventuels problèmes dans l'avenir? Il s'agit encore de communier ensemble, de nous donner des idées, de trouver des solutions pour ne pas qu'on puisse retomber dans ce genre de problèmes. Et surtout, je sais que vous êtes extraordinaire, le langage, comme je l'ai dit, compte beaucoup dans nos différents débats. C'est ce qui nous permet de nous aimer, de créer encore cette fraternité qui est autant recherchée à l'ère 2013. Et pourtant, nous avons toujours notre coutume, nos traditions que nous adorons. Et c'est ce qui fait la grandeur de notre communauté africaine. Nous allons pas repartir en musique. C'était juste pour vous informer de notre débat. Pour ceux qui veulent participer, pendant que la musique passe, vous faites 6 étoiles 6-1 pour ne pas dire star 6-1. Le micro ouvert à tout le monde. Cette radio ne fait pas de discrimination. Nous aurons des débats. Nous aurons des invités qui souhaitent nous informer. Inch'Allah, ils peuvent nous appeler hors antenne ou m'appeler sur mon cellulaire portable. Ils en savent quelque chose. La vérité prime, la vérité au-dessus de tout. Dieu aime bien la vérité et c'est comme ça que nous allons évoluer pendant au long de nos différentes rencontres. Nous repartons en musique et le temps de revenir à nos différents invités.
et essayer de recueillir leur avis à tout à l'heure. Ok, nous allons partir avec nos invités qui nous ont demandé le micro. Il s'agit de ce numéro, le 4350, et juste après le 4350, il s'agit du 5366 de notre modérateur Yul. Nous allons partir avec le premier numéro, avec les quatre derniers chiffres, 4350. Assalamu alaikum, bonsoir monsieur ou madame. Voilà. Ben, ce soir, il n'y a pas mes petits parce que... Alors? Alors? On vous a... Ok, alors notre invité de 646, 563 et 573, 43, 50, on vous attend déjà à l'horizon, mais votre micro ouvert, je vais essayer de rouvrir votre micro si vous êtes à côté. Allô? Allô? Ok, notre invité, je pense que lui, il n'est pas encore disponible. Nous allons repartir avec notre invité. Il s'agit du 5366. Allô? 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 Oui, allô, Yul, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va, par la grâce de Dieu. Ah, ok. Donc, comme je vous avais dit, vous avez tellement raté beaucoup de bonnes choses. vraiment. Qu'on n'aura pas le temps de revenir sur tous ces débats, ben, c'est un problème de communauté. Nous essayons maintenant de trouver des solutions. Nous ouais. aurons beaucoup plus encore d'autres avis si c'est ce qui est arrivé. C'est déjà arrivé. Nous sommes là pour trouver des solutions. Il y a eu des passages de l'imam Konaté la semaine dernière. Et bon, il y avait eu ce que les gens ont entendu dans la ville. Et il y a eu différentes interventions. Lui, il s'est prêté aux questions des auditeurs qui... Et peut-être qu'ils ont eu satisfaction au bout de ces différentes questions, mais tout le monde n'a pas pu être prêt à comment on appelle. Voilà, accéder en direct. Voilà, parce que non, et bon, bon, on accepte parce que le temps qui était réparti était presque terminé, donc on n'a pas pu prendre tout le monde. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas pu participer d'y donner ouais. leur avis. Nous allons prendre note avec et puis nous allons essayer de reporter pour voir si davantage nous pouvons avoir encore des directs pour des gens qui en savent plus sur cette affaire-là. Je vous voyais un peu. Donc, vous avez la parole. Aujourd'hui, il s'agit de savoir que peut-on retenir comme conseil après la fermeture de cette mosquée, comment éviter d'autres problèmes à venir. Ok, je dis salam alaikum à l'imam Konaté. Ouais, c'est aussi, bon, c'est par rapport à ce que j'ai appris dans les coulisses que je voulais quand même poser certaines questions, quoi. Ben, l'imam n'est malheureusement pas là, donc il est parti, donc il était venu pour juste nous annoncer cette nouvelle-là. Et que, ouais, mais voilà. Effectivement, j'ai tiré quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Mm-hmm. Parce que, bon, ce qu'il a dit déjà pour dire que la mosquée sera dans un autre endroit, avec l'adresse tout et tout. Mm-hmm. Voilà. Allah au dernier fait. Allah Mbembe Kelima. Oui, mais il y a juste une précision. Et c'est momentané. Il a dit seulement que cet endroit était un endroit, mais, comme on appelle, très momentané, seulement pour les prières du vendredi, en attendant. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai entendu ça. Mais moi, ma question était que, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'accusations par rapport à la mosquée. Et une mosquée, c'est une association, c'est pour tout le monde.
Si d'abord il y a des accusations, je ne dirais pas qui on accuse ou qui on n'accuse pas, mais celui qui est devant, celui on voit le plus. Mais on ne peut pas accuser quelqu'un par rapport à ce qui se passe si le building ne les appartient pas, on ne peut pas accuser quelqu'un. Parce que tu loues un coin, le jour où on te dit de partir, tu t'en vas. Donc il n'y a pas à faire de dire qu'il faut accuser qui ce soit par rapport à la perte de la mosquée. Bon, si eux ont peut-être quelque chose à nous dire par rapport à une mésentente entre eux, bon, nous on peut comprendre, mais dire qu'ils ont perdu la mosquée, alors que la mosquée ne les appartient pas pour dire que le building les appartient, donc je vois pas d'accusation par là. Donc c'est ce que j'ai voulu poser à l'imam pour me dire quand même, pour nous dire quand même quelle est la mésentente par rapport à l'association islamique, pour qu'on puisse accuser quiconque, tu vois, non? Ok, donc on va prendre note de ça et bon, c'est aussi important comme c'est votre avis que vous avez donné. Donc et nous allons prendre note de votre avis et puis nous allons le soumettre à qui de droit pour voir si nous pouvons avoir une réponse à votre préoccupation, Monsieur Yul. Merci bien. Ok, C'est ça donc l'écoute. merci. Donc vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Merci Y a pas de encore problème. pour. Voilà, merci encore pour ces rajouts. Nous allons repartir avec notre auditeur pour voir s'il est maintenant disponible. Il s'agit du 573 43 50. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je pense que notre auditeur n'est jusque pas là disponible. Nous allons l'enlever dans le conducteur, mais il peut revenir en faisant toujours étoile 6-1 s'il est disponible. Donc, le débat du jour, nous revenons sur notre thème du débat du jour. Comment peut-on retenir comme leçon ou conseil après la fermeture de cette mosquée? Comment éviter d'éventuels problèmes dans le futur? Le débat est lancé. Vous pouvez toujours faire étoile 6-1 en nous donnant votre avis. Merci encore pour votre disponibilité et merci encore pour votre fidélité à cette radio. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
Vous êtes bel et bien en live. Nous venons juste de commencer cette émission. Il s'agit aujourd'hui de savoir que peut-on retenir comme conseil après la fermeture de cette mosquée 116, comment éviter d'éventuels problèmes dans l'avenir. Le micro est ouvert pour tous ceux qui veulent s'exprimer en y faisant étoile 6-1 pour ne pas dire star 6-1. Et nous allons recueillir leur avis. Et comme nous disons aussi dans notre coutume, nous préparons d'autres interviews exclusives encore concernant ce problème. Nous avons été approchés, nous sommes en train d'étudier
sur plusieurs volets, cette interview-là, qui est peut-être si la personne désire toujours, nous allons vous proposer en direct, comme on le dit chez nous. Et c'était cet entretien, il sera au cours de notre émission bientôt de lundi, Jeunesse et Espoir. Vous êtes tous invités et vous serez informés, bien sûr. Comme l'adage le dit, le plus tôt souvent, nous revenons sur nos différentes citations que j'ai toujours l'habitude de préparer pour vous parce que nous avons tant d'estime pour vous, nos auditeurs. Nous vous conseillons à travers ces différentes citations pour dire, personne ne peut nous prendre notre vie intérieure, c'est-à-dire notre joie, notre confiance, notre rêve et notre victoire et notre succès. Cette vie nous appartient de manière exclusive, car c'est Allah qui nous l'a donné. Donc, nous sommes à un débat pour, avant de passer avec des auditeurs, avant que des auditeurs nous demandent la ligne, nous allons faire une pause musicale, surtout avec la bonne musique, et nous allons regarder notre rythme du Madenga. Nous allons repartir cette fois-ci au Mali avec Lincoln de cette musique malienne que vous allez écouter. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Il nous dit que la parole est sacrée. Avant de parler, il faut réfléchir 1000 fois avant de tourner la langue. À tout à l'heure pour la suite de notre débat.
Subado malo ya mani Sandani kanunema Moki ya rabi malo Merci encore d'être resté et d'être patient. Nous serons ensemble encore jusqu'à 1h du matin, c'est-à-dire dans 1 heure du temps. Cela dépendra de votre volonté ou de votre volonté de participer à cette émission. Sinon, nous pouvons aller au-delà jusqu'à 1h30. Il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que peut-on retenir comme conseil ou leçon après cette fermeture de cette mosquée
comment éviter à notre communauté un autre problème de ce genre. Et pour participer, pour ceux qui sont à la première émission, c'est très simple. Vous faites *61 pour ne pas dire *61. Nous allons ouvrir votre micro pour donner votre opinion ou votre avis. Sinon, avant d'avoir des auditeurs, nous allons toujours écouter de la bonne musique pour nous permettre de nous détendre un tout petit peu. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants, si Dieu le veut. À tout à l'heure. Francis Kabakoui, dis-nous quand vous Francis, monsieur le quand vous Francis.
Toujours à notre débat, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons besoin des conseils et surtout de réunir ces conseils et surtout de nous préparer davantage pour le futur. Il s'agit aujourd'hui de savoir que peut-on retenir après cette fermeture. Nous avons eu un débat en direct, l'imam, et nous avons eu beaucoup d'informations concernant ce problème-là. Nous aurons encore d'autres invités, Inch'Allah, les semaines à venir. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin des conseils, de nous donner des idées pour éviter encore ce genre de problème dans le futur. Et nous avons besoin de votre intervention ou de votre participation pour en savoir plus. Et ensuite de cela, nous avons eu Imam, il y a de cela, Imam Konaté, il y a de cela 25 minutes à 30 minutes de cela, qui nous a donné une information. À travers votre radio, c'est votre radio vous appartient. Il nous a dit que concernant juste après le débat de la semaine dernière, les gens se sont libérés et donc le site de New York ou la communauté chrétienne de la 116, c'est-à-dire sur Saint-Nicolas entre la 115 et la 116, l'adresse de ce building c'est le 1912 sur la 7e avenue entre la 115 et 116. Il y a une salle là-bas que cette communauté nous a attribuée momentanément pour les prières du vendredi et cette première prière va commencer d'alors le vendredi prochain, Inch'Allah. Donc vous êtes tous informés, vous pouvez aussi en servir des secrets de Polichinelle pour informer vos amis, vos proches et votre famille, votre environnement et musulman. Merci encore pour ces détails, pour votre collaboration, surtout votre participation à nos différentes émissions. Nous repartons en musique le ton de la voix des étoiles 6-1. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin si Dieu nous l'accorde, Inch'Allah. Thank you.
Nous avons un auditeur en ligne. Il s'agit bien de notre pandaliste, notre frère Bamba. Nous allons recueillir son avis. Assalamu alaikum, Bamba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Monsieur Savané, comment ça va? Oui, je vais très bien. Et chez vous? Alhamdulillah, merci, ça va. Qu'Allah nous aide. Ah, ça plaît pas, la nouvelle, ça va, c'est bon. Ah, ok, Inch'Allah. Ouais, la nouvelle. Amin, 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 amin. Ouais, il est beau ça, l'auditoire, tout le monde. Merci encore. Ouais. Bon, j'ai écouté, j'ai vu le sujet là, bon. ouais, tu sais, j'ai rentré sorti là, bon, je suis un peu busy là. L'imam est venu, il est encore? Ouais, l'imam est venu, l'imam est passé depuis 23h30. Ouais, ouais. Donc, il a dit qu'il voulait lui-même personnellement annoncer cette nouvelle-là, que depuis son passage la semaine dernière à la radio, donc il a eu une grâce. Et ouais. Que, voilà, donc la communauté chrétienne ici entre la 115 et la 116, sur la 7e avenue, ouais. ont une grande salle. Donc, il y a une salle qu'ils n'utilisent pas, qui ouais. a été prêtée à notre communauté pour momentanément. Les prières ouais. du vendredi. Donc, il a dit que la prière, Inch'Allah, que la première prière devrait commencer le vendredi prochain. Ouais. Et que l'adresse est la suivante, de 19-12 sur la 7e avenue, entre la 115 et la 116. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, c'est... Bon, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Sinon, on s'était vu même, je crois, le vendredi soir même, ou bien le samedi, là, à la 116. Là, il m'avait broché ça un peu. Ouais. Donc vraiment, j'ai dit que ça c'est une très bonne nouvelle. Inch'Allah. Donc, ça c'est très bien ça. Voilà ton nom. Amin, 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 amin. Ouais, bon, en fait, j'ai vu ce que vous avez dit comme sujet, c'est qu'on peut faire. Vous pouvez reprendre ça encore, là. Ouais, que peut-on retenir comme leçon ou conseil après la fermeture de la mosquée et puis comment on peut éviter encore d'éventuels problèmes dans l'avenue? Voilà, 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 vraiment, c'est ça. Écoutez, M. Savané, vraiment, toutes choses, du bon comme du mauvais, M. Savané, on doit retenir une leçon. Voilà. Que ce soit du mauvais, il faut retenir une leçon. Que ce soit du bon, il faut retenir une leçon. Que ce soit catastrophique, il faut retenir une leçon. Donc, allez, sur tous les plans, on doit tirer quelque chose de ce qui s'est passé. Tu comprends? Donc, ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on dit chez nous, tout ce que Dieu fait est bon. Et à partir de là, on dit, pour mieux sauter, il vaut mieux reculer. Il faut bien reculer avant, voilà, pour mieux sauter. D'abord, nous, les musulmans, ça va nous galvaniser, ça va nous donner encore plus de force. Les erreurs commises dans ce qui s'est passé, si on doit entreprendre encore une nouvelle fois d'autres démarches, on saura ce qu'on doit faire. Même si on ne connaît pas tout, en tout cas, ça sera peut-être à 90% ou bien à 95%. C'est-à-dire quoi? Ceux qui seront devant les dirigeants, l'organisation, l'équipe même qui va s'occuper de ça. Ouais. Et puis, il y a certaines négligences aussi, c'est-à-dire aussi la cotisation. Et regardez aujourd'hui, ce qui s'est passé là, M. Savané, même si on dit demain qu'il y a une telle place à quelque part, vers 116 ou bien 118 ou bien 120 ou bien 114, une telle place, et on dit demain, les gens n'ont qu'à cotiser, mais ça va venir, je te le jure, ça ne va même pas faire une semaine, on va avoir la gagne de ça. Oui, j'en suis sûr, ça. J'en suis sûr. Ouais. Parce que, monsieur Savané, je t'ai dit que depuis que la mosquée-là est fermée, c'est-à-dire tellement que les musulmans sont privés. Moi, actuellement, là, moi, avant de partir le jour, maintenant, moi, j'ai pris mon futur maintenant, Maghreb, maintenant, à la maison, moi, de sortir pour partir au travail. Hein. Après, j'ai prié ça. Oui! Ouais, j'ai dit à l'imam l'autre jour à la tente là-bas, parce qu'il m'a parlé des problèmes de l'église, l'église à la suite, ce que vous venez de dire là. Il m'a parlé de ça. Il a dit, mais à ce moment-là, moi, j'ai pris mon maghreb maintenant à la maison avant de sortir.
Parce que si je suis à 4 heures, mm-hmm. et que je prends ma voiture à 4h30, à 5h, mais mm-hmm. je vais prier où? Je trouve ouais. de là, dans le temps là-bas, qui est pas, peut-être qu'un client va me prendre pour aller jusqu'à Midrassid ou whatever. Ouais. Je fais comment? Alors ouais. que je prenais ma voiture après avoir fini de faire la prière à la sainte-feuille. Juste, je finis, je prends ma voiture, je ne vais pas. Et je suis obligé maintenant de rester à la maison, attendre ma grève jusqu'à 4h38 ou 4h40. Je prie, et puis je finis maintenant, je prends mon truc et puis je vais. Ouais. Donc, ça va maintenant, bon, je peux prier ça à une time, you know, 11h midi, là, là-bas, bon, minuit, ça dépend. Tu comprends? Ouais. Donc, ouais. moi, cela veut dire que moi, je ne suis pas seul dans ce cas. Puisque toute la majorité de tous les musulmans sont dans ce même cas-là. Ouais. Tu comprends? Donc, on est privé de quelque chose, c'est-à-dire, on a perdu un trésor. Ouais. On a perdu un trésor. C'est du trésor. C'est qu'on a perdu là, vraiment. C'est que c'est, ça va nous donner des leçons. Hein. Ça va nous donner des leçons. Et si on essaie d'avoir une nouvelle mosquée, monsieur Savané, je vous assure qu'on va tout faire. Ah, si cette mosquée doit nous échapper, bon, tout ce que Dieu fait est bon, mais ça sera pas facile, quoi. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, les tracasseries qui se sont passées dans ce qui s'est passé dans cette mosquée-là, on va tout faire pour éviter ça dans la prochaine mosquée. La prochaine mosquée dont nous allons avoir, on va tout faire pour éviter ce genre de choses, quoi. Ça, c'est clair. Ça veut dire, s'il faut payer la mosquée cash, on va le faire. On s'est dit, il faut essayer de trouver une solution même pour éviter toute cette dérive-là même, quoi. Ouais. C'est ça. Il faut éviter tout ça. Ouais. Dans le futur, c'est des trucs qu'on doit essayer d'éviter parce que de telles personnes viennent nous blaguer. Si on avait de l'argent, là, l'argent cash, même le fait de lancer même la nouvelle partout pour dire que les gens n'ont qu'à nous venir en aide, les Corsiens sont venus, sont repartis avec l'argent. Bon, même notre juif musulman m'a dit quelque chose, il m'a répété quelque chose à propos de la même place là encore. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, mais le gars ne va plus accepter. Le gars ne va plus accepter. Ouais. Donc, vraiment, on doit. Pour retenir qu'on doit s'organiser. Et puis, il ne faut pas qu'on va se presser pour ça, pour la recherche de la nouvelle mosquée-là. Il ne faut pas qu'on va se précipiter. Moi, je vais dire ça. Parce qu'on va se précipiter, on va tomber dans ce même piège encore, dans la main de quelqu'un, ça va revenir quand même sur. On n'a qu'à prendre notre temps pour essayer de chercher une bonne place. Parce qu'après des mosquées, ce n'est pas pour nous seulement. C'est la génération qui va venir après nous. Bien sûr. La deuxième génération, la troisième génération. Donc, quand tu es à la recherche de cette chose, tu prends ton temps pour bien chercher l'endroit bien précis, l'endroit bien indiqué, l'endroit qui est un peu, qui sera facile à retrouver, l'endroit qui sera facile à avoir accès. Ouais. Il faut essayer. Oui, c'est comme ça qu'il faut aller. Ce n'est pas la peine de se précipiter. Ça, je le dis, hein. On ne doit pas se précipiter pour dire non, voilà, on a vu une mosquée, on a vu une place là-bas, là, un étage là-bas, on va payer ça d'autre. Non. Allons-y doucement. C'est, on dit ça chez nous, mon gars, ni ta boulot chez un clé, quoi. Finalement, tu as tentation. Ouais. Tu as tentation. Ouais. Donc, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette mosquée-là. Ouais. Donc, on aimerait plus que ce genre de choses arrivent encore. Mm-hmm. Voilà, l'équipe qui est devant là, ils n'ont qu'à prendre le temps. On n'est pas pressé, hein? Ouais. On peut prier sinon à la maison, on peut prier n'importe où. On peut prier n'importe où en attendant. En attendant, même si ça, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, on peut attendre. On prie n'importe où. Voilà. Donc, on doit prendre le temps pour mieux chercher pour que ce qu'on va avoir, en tout cas, ça soit pour l'éternité. Ouais. Voilà, ça doit être pour l'éternité. C'est-à-dire, avec toutes les commodités, tout est là, tout en place. Voilà, c'est ce qui est mieux. C'est ce qui est mieux parce que vraiment, ce qui s'est passé là, mais M. Savané, je vous dis que ça, on va durer, ça là, ça va rester dans la mémoire des gens. Ça, je vous l'assure. Oui, franchement, parce que c'est la première fois que moi je vois un problème qui est partagé par les jeunes, les vieux, les mamans, les petits, les enfants, même tout le monde y contribue, ouais. Tout le monde est bouleversé. Je vous dis qu'il y a mosquée à New York. Il y a plein de mosquées à New York. Je suis d'accord. Mm-hmm. Mais cette place de 115,
la mosquée de 115 là. Ah, je vous assure que c'est une mosquée. Ah, non, non. C'est une mosquée, l'emplacement était très bien, l'accès était facile. C'est-à-dire, partout où tu te trouves, 8e, 7e, tu descends, même sur Lexington là-bas, 6e, c'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut qualifier quoi. Ouais, parce que moi-même, j'appelais ça la mosquée africaine à New York. Parce que bon, tout le monde y venait, ouais. Tu prends ta tantan, tu montes, tu fais escale à 116. Tu pries, tu vas chez toi. Tu quittes ta tantan, tu vas tantan, tu descends à 116. Tu fais escale, tu pries, tu vas. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, l'accès était facile. C'était, l'emplacement était très bien. C'est-à-dire, il y avait tout, quoi. Tout était réuni. Tu comprends? Donc, il faut perdre ce genre de choses. Il faut prendre encore du temps. Il ne faut pas te précipiter. Il faut aller à la recherche doucement pour avoir une telle place pour remplacer ce qui a été perdu. Et avec de la manière, la valeur, c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on se précipite toujours là pour avoir une place à qui n'est pas toujours là, les gens vont commencer à critiquer. Peut-être que l'accès ne sera pas facile. Peut-être que les gens ne vont pas se diriger vers là-bas. Ouais. Après que vous allez aller. Ouais. Voilà, ça sera du gaspillage d'argent. Donc, pour moi, on ne doit pas se précipiter. On ne doit pas on doit aller doucement. Là, comme ça, tout le monde sera satisfait pour le résultat. Ouais. Voilà. C'est ce qui est vieux, c'est ce qui est bon. Ouais. En tout cas, c'est ce que moi, je peux retenir, quoi. C'est ce que je peux retenir. Allons-y doucement. Il ne faut pas qu'on mette pression sur les dirigeants, sur l'imam. Et pourquoi on n'a pas eu une place, on n'a pas fait... Non. Moi, je ne suis pas pressé, hein. Moi, je dis ça. Si on a trouvé une bonne place tout de suite là, venir de 120, un autre coin électrique qui est bien indiqué, qui est bien approprié, où les gens peuvent. Voilà, tout le monde sera content. Mais si on essaie de mettre une pression forte tout de suite là, sur l'imam avec les dirigeants tout de suite, mais vous allez voir, ils vont aller chercher un petit coin tout de suite là où, après, on va se dire, non, on peut pas, tout le monde ne peut pas contenir ici, si ça va devenir comme ça, on va les insulter encore. Oui. On va devenir quoi? Parce qu'on se connaît entre nous les Africains. Ouais. C'est des choses qui ne sont pas bien, on n'a qu'à arrêter ça. Ouais. Donc, donnons le temps au temps. Ouais. Voilà. Là, comme ça, tout le monde sera satisfait après. C'est ce que moi, je peux dire, quoi. Ouais. C'est la leçon que je peux retenir. Ouais. Ouais. Okay. Mais vraiment, merci beaucoup. Ouais. Oh, non, c'est douloureux, mais, you know, on pense ça comme ça, quoi, you know. Ouais, voilà. Monsieur Bouma, franchement, j'ai bien aimé votre intervention parce que vous avez très bien compris le sujet. Et surtout l'intervention que vous avez faite, c'est une intervention qui est très logique, ça rentre dans le cadre même de ce qu'on veut savoir. Voilà, en fait, donc vraiment c'était très extraordinaire de vous avoir comme invité. Vous pouvez revenir à n'importe quel moment, vous êtes chez vous. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est une solution à ce problème. Ça va avec même le débat même du jour et surtout le futur même de quel vous avez rajouté aussi. Nous allons passer, Inch'Allah, au prochain auditeur. Bama, dès que vous êtes inspiré, vous pouvez revenir encore en ligne. Merci, à tout à l'heure. Donc, c'était notre panéliste, Monsieur Bama. Nous avons un autre auditeur. Il s'agit du président de notre fan club, Monsieur Smaro, à qui nous allons ouvrir le micro. Assalamu alaikum, Monsieur Smaro. Oui, allô? Assalamu alaikum, Monsieur Smaro. Comment allez-vous? Wa alaikum. Salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, M. Savanay. Ouais, et la famille. Oui, on remercie Dieu, par la grâce de Dieu, ça va. Ok, Dieu merci. Alors, vous avez la parole? Oui, merci. Écoutez, moi j'appelle simplement pour vous féliciter et encore une fois féliciter et encourager la direction, les responsables de la radio. Ouais. Et pour tous les efforts qu'ils font pour la communauté et pour le bien-être de notre communauté. Ouais. Et chaque fois quand j'appelle, je n'oublie pas parce que je sais que il y a des efforts gigantesques qui sont faits pour maintenir cette structure en place. Ouais, vraiment. Et il faudrait toujours encourager ces gens-là. D'une manière ou d'une autre, you know, on peut contribuer par beaucoup d'autres moyens financiers, avec des idées, avec la participation des bonnes idées et tout ça. Alors donc, une fois encore, je remercie les membres du fan club, les responsables du fan club et les
les auditeurs infatigables qui viennent chaque fois participer vraiment, ouais. pour maintenir le bien-être, l'avancement de cette structure qu'on a. Ouais. Et je n'oublie pas notre grande animatrice, Madame Diaby, Mariam, et ouais. tous ses collaboratrices, et Monsieur Savané, et tous les animateurs. Si je n'ai pas cité de nom, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. C'est juste ceux qui me sont venus en tête. Ouais. Alors, donc, ceci étant dit, bon, le sujet de ce soir, je voudrais que tu reviennes encore là-dessus, non seulement pour moi, pour ceux qui peut-être viennent de rentrer juste comme moi. Ok, donc le plaisir pour moi de revenir dessus, que le sujet est la suivante, que peut, plutôt est le suivant, que peut-on retenir comme leçon ou conseil après la fermeture de cette mosquée-là, à la 116, comment éviter d'éventuels problèmes dans l'avenir? Ah, ok, merci M. Savané. Bon, écoutez, moi je, tout ce que je peux dire, bon, je ne vais pas accuser Paul, je ne vais pas accuser Jean. Bon, c'est ce que, tout ce que je peux dire. Je vais peut-être donner des conseils. Ouais. Et souvent, quand on donne des conseils et que les gens écoutent, bon, souvent, ça évite souvent des erreurs. Et bon, l'erreur humaine, bon, des choses, on peut faire des erreurs, c'est vrai. Et ce que je vais peut-être donner comme conseil, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie concernant une institution religieuse qui a été créée par la communauté, et quand on a la charge de cette structure-là, il faudrait, à chaque décision qu'on prend, il faudrait faire partager les décisions avec la communauté. Ce n'est pas parce qu'on est devant quelque chose qu'on doit prendre certaines décisions sans concertation au préalable. C'est très important. Et je vais peut-être vous donner un petit secret, et peut-être que vous ne savez pas, et je suis sûr que ceux qui nous écoutent, certaines personnes, peut-être, savent. Vous savez, M. Savané, cette mosquée dont nous sommes en train de parler là, je vais vous donner un secret aujourd'hui concernant cette mosquée. Vous savez, M. Savané, cette mosquée dont on vient de parler de la fermeture, cette mosquée a été fermée il y a plus de 10 ans. Ça va vous surprendre. Mais je sais de quoi je parle. Donc, ce que je vais dire, c'est que cette mosquée a été créée par une association dont peut-être beaucoup de gens ne connaissent même pas le nom aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que je vais vous donner un secret aujourd'hui. Cette mosquée a été créée par une association qui était dénommée l'Union des musulmans de New York. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non, non, non. C'est cette union-là qui a créé cette mosquée. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans certains détails, mais ceux qui étaient beaucoup proches à la création de cette mosquée, c'est qui est en train de parler et c'est de quoi je suis en train de parler. Donc, ce n'est pas un débat entre toi et moi, et nous ne sommes pas là pour venir accuser qui que ce soit. Oui, oui. Nous voulons simplement donner notre petite contribution. Et pour éviter que ce qui est arrivé, que ça n'arrive plus jamais, que ça ne se répète plus jamais. Merci, c'est bien sûr. Et quand on, comme je l'ai dit tantôt, quand on vous donne la responsabilité, disons, vous mettre devant certaines responsabilités. Ouais. Chaque fois que vous prenez des décisions, M. Savané, il faut consulter, il faut faire un débat public, il faut consulter la communauté auquel vous
vous êtes en train de servir pour voir les différents. C'est très important, je ne vous coupe pas, M. Smaro. Il y a des réseaux d'informations qui sont là, comme la radio, nous sommes en train de communiquer. Il faut proposer des choses aux gens. Voilà ce qu'on pense, qu'est-ce que vous en pensez. On va vous aider à trouver des solutions. Ouais. Voilà, donc, quelque part, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées durant toutes ces années. Peut-être qu'on aura d'autres occasions où peut-être je vais peut-être m'étaler un peu plus. Ouais. Mais bon, écoutez, le conseil que je viens de donner, je pense que chacun peut-être va prendre ce qu'il a à prendre dedans. Mais ce qu'il faut retenir, et il faut toujours partager les décisions et il faut toujours avoir un débat avant de prendre n'importe quelle décision que vous devez prendre concernant la communauté. Et c'est très important. Donc, je vais m'arrêter là. C'était juste une petite contribution à votre émission, M. Savané. Ouais. Et bonsoir. Merci encore, M. Smaro. C'est notre président, le président du fan club de la radio Samantigla, pour vous dire encore que le fan club est toujours ouvert à tous nos auditeurs, pour tous ceux qui nous suivent en direct, où vous pouvez informer encore votre entourage pour dire que le fan club est ouvert. Vous ne payez pas pour vous inscrire, bien sûr. Ce fan club, vous appelez seulement des numéros pour vous inscrire, et surtout pour la bonne marche de cette radio. On ne vous obligera pas de faire ce que vous ne voulez pas, mais il est important en tant qu'auditeur de participer, de vous informer, d'être au petit menu de votre voie de communication. Les numéros sont sur les suivants. Je reviens dessus, le 212-932-82-24. Je reviens sur ces numéros, le 212-932-82-24 ou le 646-470-83-60. Je reviens encore sur ces numéros pour vous inscrire dans ce fan club de la radio. Le 212-932-82-24 ou le 646-470-83-60. Si vous appelez et que vous n'avez pas quelqu'un au bout du fil, vous pouvez laisser votre nom et votre numéro de téléphone. Nous allons vous enregistrer et vous serez informé de toutes les informations autour de cette radio. Vous serez associé. Merci encore pour cette bonne contribution. C'est une information très importante pour nos auditeurs. Donc, comme monsieur Soumaro venait de l'annoncer tout à l'heure, je suis de cet avis et il faut... La communication est le remède à toute chose. Il y a eu des dysfonctionnements et ces dysfonctionnements, quand j'ai écouté la semaine dernière, comme on a dit, nous allons revenir encore sur ce genre de trucs. Je pense que c'est très important pour tout un chacun de donner leur avis, comme M. Bamba a fait tout à l'heure et comme M. Smaro l'a fait tout à l'heure. Ça nous évitera beaucoup, beaucoup de choses dans le futur. Vous pouvez encore venir donner votre avis. Nous avons encore quelques... minutes à partager ensemble. Avant l'heure, nous allons repartir en musique. Pendant que la musique passe, vous pouvez toujours nous demander la ligne en faisant étoile 6-1 ou star 6-1. Nous, dans quelques instants, nous y revenons.
Sinyana Tomona, Ibonge Balula, Nematu Ninyana Tomona, Betuna Nimani Tomo. Thank you.
Et comme juste après l'intervention très très intelligente de nos panélistes, M. Bamba pour la recherche de cette solution, il s'agit, et de M. Smaro, qu'il s'agisse de savoir que peut-on retenir comme leçon ou conseil après la fermeture de la mosquée 116, comment éviter d'éventuels problèmes, c'est-à-dire dans le futur, c'est très important. Et peut-être que tout le monde ne voudra pas peut-être s'exprimer là-dessus, mais c'est important, si vous avez ressenti des choses, de le dire de façon très intelligente pour éviter, si l'occasion y est donnée, pour éviter d'en parler, comme l'a fait tout à l'heure nos auditeurs précédents, et puis la préoccupation de M. Youl au début de cette émission-là. Et nous sommes encore ensemble, comme je l'ai dit, c'est pendant un peu le temps que vous serez inspiré, nous allons toujours vous accorder un petit bonus de temps jusqu'à 1h30. Au-delà, avant, si nous n'avons pas suffisamment d'inspiration, nous serons obligés de mettre un thème à partir des 1h10 à cette émission, le temps de permettre encore de nous inspirer pour les semaines à venir. Alors, donc, je reviens sur les thèmes de débat pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Que peut-on retenir comme leçon ou conseil après la fermeture de la mosquée 116? Comment éviter d'éventuels problèmes? Juste le temps encore d'adoucir les mœurs. Nous allons partir en musique. Le temps de nous donner encore une autre préoccupation. Le temps de détendre un peu les nerfs et nous allons revenir, Inch'Allah, dans quelques instants, si Dieu le permet.
Après ce superbe rétro, nous sommes toujours dans le cadre de notre émission à la recherche des conseils et surtout des conseils encore dans le futur pour d'éventuels éviter d'éventuels problèmes. Mais je pense que nous sommes à l'avenir, nous ne faisons pas. Et il y a une chose peut-être que dans certaines auditions que nous rencontrons dans les rues, il faut éviter les dysfonctionnements entre communautés africaines. Un Africain, la nationalité de tout Africain, que vous soyez du Mali, du Guinée, de la Guinée et de, et comment on appelle, de la Côte d'Ivoire, vous avez une seule nationalité, c'est cette nationalité africaine. Et encore en plus, si une religion encore vous réunit, étant plus que nous parlons aujourd'hui de cette religion musulmane, il doit y avoir une communication en tout cela. Et s'il y a des fonctionnements, je pense que à un certain allure, sans le faire, en tension psychologiquement, vous risquez d'être un peu désunis. Et cette désunion-là peut créer beaucoup de choses dans le futur, surtout dans le cadre de notre religion. Nous devons rester unis, surtout dans la cohésion. Il n'y a que dans la cohésion que nous pouvons développer. Juste un petit conseil et nous allons repartir avec le thème de notre débat pour dire que peut-on réunir comme leçon ou conseil après la fermeture de cette mosquée pour éviter d'éventuels problèmes. Nous avons encore 15 minutes à partager ensemble et Inch'Allah, nous allons repartir en musique le temps d'avoir des conseils au travers de notre émission et nous reprenons tout à l'heure Inch'Allah dans quelques 3 minutes. Johnny and I can't get him, Baba.
Nous sommes toujours dans notre live à l'émission Jeunesse et Espoir, une émission qui nous conseille, qui nous apporte des solutions dans le futur. Donc, juste avant de continuer cette émission, nous avons encore un petit conseil à donner à travers notre différentes, comme on appelle, citations pour dire « La meilleure école pour se battre et réussir, c'est la vie, et le meilleur ami de la vie, c'est la vérité. Et quand il y a la vérité, il faut que cette vérité soit tamisée. C'est cette vérité qui nous sert de lumière et qui nous sert de guide pour la suite de nos événements. Donc, nous sommes toujours dans le cadre de cette émission. Nous avons encore 10 minutes à partager ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 1h15 du matin, nous allons encore écouter de la musique, le temps de nous détendre un tout petit peu. Pour des interventions, vous pouvez demander le micro dès maintenant et nous allons, pendant que la musique passe, nous allons faire le plaisir de vous écouter et d'entendre vos conseils et vos solutions pour les différences pour ce genre de problèmes dans le futur et surtout qu'il s'agit d'une mosquée, la fermeture d'une mosquée et surtout quelles sont les solutions à apporter et quels sont les conseils d'usage à partager avec notre communauté. À tout à l'heure.
Nous avons un auditeur en ligne, il s'agit d'un de notre grand animateur, Monsieur Diakité, pour ne pas dire El Hadj Diakité, qui nous vient du pèlerinage. Nous allons l'écouter au travers de notre débat de ce jour. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, El Hadj Diakité, comment allez-vous et la famille? Ça va bien, tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Et qui Allah nous aide. Inch'Allah, Amin, Rabbi. Vous avez la parole? Bismillah, Amin, Amin. Amin, Amin. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas de côté long, quoi. Vraiment, ouais. Bon, oui, c'est le plan. Comment est-ce que la conférence est donnée sur la même? Kuma ya pale sorfa ni se kra kuma ka makran ka tmabe ale ko mi ba mu ruta ki la ta pro la sapa
Ben, situation est dit, mais comme on le dit souvent aussi en français, une mauvaise organisation vaut mieux toujours qu'un manque d'organisation. Ouais. Le succès, il est le roi de Moshiama. Le succès a beaucoup de parades, mais l'échec prend mon tour là. Donc, comme Nimra Kennessa, moi, je pense que je pense que je pense que je pense que toujours parce que au moins, n'a pas qu'à voir les crèmes sur le folo folo dit ce qui veut dire que Pékin a la lune ma cadeau sans qu'à maîtriser à la quoi. Donc, au courage que le cas à tout le monde la côté à la pour le nombre de côté. Peut-être il y avait tellement de transparence que le commun des mortels était au courant de tout. Ouais. Donc maintenant il faudrait qu'elle garde le fou là ou là quoi. Ni ouais. Confiance sera qu'à la moment là, il va même faire que tout le monde bien bien. Et puis elle note au tien qu'à voir. N'a déjà rien fait non. En bête là ma, elle est dundun d'ala qu'à voir ok. Amra de même, ni même qui bon pour la voiture de Annie la Côte d'Akalala. Peut-être avec ça, vous prenez le cas pour le mal de même. Non, bon, au moins, Alka a été comme Missy Lenore, bon, Alka d'Osan, Tassiman Kala. Nous aussi, la communauté est grande à en avoir, mais chaque fois on en parle, mais il va falloir qu'il faut qu'il y ait un de moyens qu'il fait un gaz, ah, ça vient, tu vois. Ouais. Donc, Moralie, c'est vrai, à Detroit, Missy Lenore, mais il y a un ami à faire un autre. On est toujours à côté des Pakistanais ou bien des autres communautés musulmanes ici, quoi, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Bref, là-bas, vous avez Al-Qadam, là, Morelle qui n'a mal à l'homme, n'a mal à l'homme. Donc, franchement, moi, j'encourage toujours la population là-bas, à la bord de l'ombre, toujours, à l'ouvrir, quoi. Tiens les mandus, quoi, mais il va être côté quand même qui ouvre, qui, là, l'échec. L'échec est fait au moins pour que tu prennes des leçons à travers, mais pas pour que tu parles comme ça, mais que tu ne sais pas que tu es. Non, 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 non. Ouais. Alors, on se trouve à la tronche, alors, on va dire directement, mais je suis là. Amen. Walaikum salam, monsieur Diakité. Ok, vraiment, monsieur Diakité, merci pour ces grands conseils. Comme on l'a dit, c'est des paroles des sages. Et vous n'avez pas vécu de problème, mais vous apportez des solutions, c'est très important. Et puis surtout que vous avez donné une bonne ligne de conduite pour le développement de notre religion musulmane, comme nous appartenons tous à cette religion-là. Merci encore, Ella Diakité. Et surtout, nous allons nous retrouver dans vos différentes émissions, Inch'Allah, avec vos grands conseils. Donc, c'était notre... Et Diakité El Hadj. Donc, nous avons encore d'autres auditeurs, sinon nous sommes déjà au point de la clôture de notre émission. Nous avons nous donné encore 5 minutes pour donner le temps à tout un chacun, comme nous aimons bien notre auditeur. Si quelqu'un a quelque chose à dire, nous allons encore nous donner 5 minutes jusqu'à 20. Dorénavant, nous allons écouter encore de la musique et surtout de la bonne musique. Nous allons nous retrouver pour notre mot de fin, Inch'Allah, à tout à l'heure. Magao, and what I'm doing yet. Oh, no, I'm fasting.
Merci pour votre grande contribution aux réussites de cette émission. Merci encore pour votre prière spirituelle de tous les jours pour cette radio aujourd'hui qui démarre et qui avance petit à petit. La radio des grands événements, nous aurons encore d'autres grands événements les semaines à venir. Nous allons tamiser et encore pour ne pas que ce problème nous revienne et surtout que, comme on l'a dit, c'est un auditeur, cette fermeture sera gravée dans la mémoire. Il faut le maximum de communication autour pour éviter et envenimer d'autres situations. Merci encore, le bonheur à vous, à votre famille, à votre environnement et surtout beaucoup de fraternité entre communautés africaines. C'est de cela que nous avons besoin, beaucoup de cohésion, d'union pour grandir encore de plus et pour réussir notre mission qui est l'aventure. Merci et nous allons nous retrouver la semaine prochaine, le lundi, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. Bonsoir à tout le monde, bon sommeil pour ceux qui vont aller dormir, pour ceux qui sont encore en train de travailler, bonne continuation et surtout encore bon courage à vous. Ne baissez surtout pas les bras, never give up. C'était notre message de fin. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, et surtout dans de très bonnes conditions avec une santé de fer. Ma chérie, moi je t'aime. Ma chérie, cani de manie. Yami ni anamo faranjusu kasi la jusu kasi maminye. Ninova ke kunke la mi kumane ni bilalira ya fama.
Ashiri iti yele na